Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, les lunis, Madrivka, Batsara, Rachel, Khel, Batsara. Avec cette très belle massive, Rabbi, Bat Esther, Moshe, Ben Sultana, Moshe, Michel, Ben Machlouf, Zohara, Rosette, Bat Sultana, Zara, Bat Mazatov, Shibrish. Ce que c'était aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Dine, Nefashot, Be Esrim, Ushlosha. Harovea, Vea Nirba, Be Esrim, Ushlosha. שנאמר, והרגת את האישה ואת הבהמה, ואומר, ואת הבהמה תהרוגו. שור הנסכל ב-23, שנאמר, השור יסכל וגם בעליו יומת, כי מיתת הבעלים, כך מיתת השור. הזאב, והארי, והדוב, והנמר, והברדלס, והנחש, מיתתן ב-23. רבי אליעזר אומר, כל הקודם לאורגן זכה. רבי עקיבא אומר, מיתתן ב-23. On continue à préciser le nombre de juges requis selon les sujets, les dossiers que l'on va traiter. On a appris jusqu'à maintenant les dîners, les différents d'argent. On a évoqué les halachot des knasot, le kiddush achodesh, comment sanctifier le mois. On a appris dans la mishnah précédente d'autres cas de figure avec la smichat kenim, un korban spécial qu'on apporte pour tout le Ham Israël. On a évoqué encore la chalissa, le mioun. Et puis maintenant, on va commencer à monter le niveau. On ne va plus parler de 3 juges, ni de 7, ni de 10, comme il y avait le dernier cas de la Mishnah présente, mais maintenant on va parler des 23 juges. Les dîners nefashot, les jugements de condamnation à mort, doivent être effectués avec, requièrent d'avoir 23 juges. On traduit, on expliquera ensuite la source de la Torah d'où ça provient. Arovea ve'anirba. Un autre cas de condamnation à mort, cette fois-ci, mais pas d'un être humain, mais plutôt d'un animal. Soit un homme ou une femme qui a eu des rapports avec un animal, la Torah a requis, a imposé de condamner à mort aussi l'animal, même si le pauvre animal, il n'était pas fautif. C'est plutôt pour l'honneur, c'est un chesed qu'on a fait avec la personne condamnée à mort, étant donné que, imaginez que l'ami Réhouven a fait ce qu'il a fait, et Réhouven a été condamné à mort. Imaginez maintenant, on va se retrouver avec un taureau qui la bourre dans le champ. On va dire, ah, ce taureau, c'est le taureau de Réhouven. Alors la Torah, elle a fait un chesed, elle a dit, non, tue aussi l'animal. Et on doit condamner l'animal à mort. Mais c'est intéressant, on doit le condamner avec un bet din de 23. On va faire asseoir le 23 juge, on va apporter le propriétaire, on va lui dire, ton animal a été l'objet d'un grave interdit, et maintenant il est condamné à mort, on va le condamner à mort. D'accord? Il y a le cas, si c'était un rapport avec un homme ou un rapport avec une femme, c'est ce qu'on appelle le rovea. Activement, c'est le chor qui a été rovea, qui a fait l'action. Et vanirba, c'est l'animal qui a été passif avec l'action de l'homme. Donc, Bezri Meshlocha, 23 juges pour la condamnation à mort. Sheneemar, comme le pasuk le dit, Ve'arakta et Aisha, tu tueras la femme, Ve'et Abehema, et aussi l'animal. Donc, de là, on apprend le chor à rovea, lorsque c'est un taureau qui fait l'acte. Ve Omer, Veta Behema Tarogu, il y a un autre pasouk aussi qui dit Veta Behema Tarogu, vous tuerez aussi l'animal, c'est venu pour inclure le cas où l'animal a été cette fois-ci l'objet. Shor Aniskal Be Esrim Ushlosha. La condamnation d'un Shor Aniskal, on le connaît depuis Baba Kama, celui-là, c'est le taureau qui encorne et qui tue un homme. La Torah impose de le tuer. Mais, et il faudra là aussi 23 juges, Be'esrim ou Shlosha. Shenemar, Ashor Isakel, comme le pasouk dit, Ashor Isakel, on tuera l'animal, on lapidera l'animal, Vegam Be'alav Yumat, et aussi le propriétaire sera tué. Or, on ne tue pas une personne parce que son animal a tué un homme. De ce fait, on déduit qu'en fait la Torah a ajouté ça pour juxtaposer que tu devras tuer l'animal comme je t'impose de manière générale de tuer le propriétaire, si toutefois le propriétaire avait lui-même tué. Soit 23 juges. On continue maintenant avec une précision lorsque le taureau agresseur, c'est plus un taureau, c'est un autre animal qui sont Azeev, Vehari, Vehado, Vehanamer, Vehabardelas, Vehanachash. Ceux qui se souviennent de Baba Kama, cette série-là, on la connaît très bien. Azeev, c'est le loup, Haari, c'est le lion, Hadov, l'ours, Ve'anamer, la panthère, Ve'abardelas, le Tiferet Israël traduit, le léopard, Ve'anachash et le serpent,
Mitatan Be'esrin Bishlosha. Selon Tanakama, il faudra 23 juges aussi pour le condamner. Soit, si on attrape mon lion que je tenais, d'accord, j'étais propriétaire d'un lion, ça arrive, et mon lion est sorti à tuer, alors Tanakama il nous dit, le lion, comme un taureau qui est en corne, 23 juges pour le condamner. Eh bien, vous allez me dire, c'est évident, c'est le chidouche, il est pour la suite. Rabbi Eliezer Omer, kol hakodem lehorgan zacha. Selon Rabbi Eliezer, non, c'est plus la peine d'attendre 23 juges. Fais un chesed avec l'humanité entière, dépêche-toi vite de lui mettre une balle entre les deux yeux. Ces animaux-là sont réputés pour être particulièrement dangereux. Les avoir, les posséder, tant qu'ils n'ont pas agressé, nous, on ne dit rien, mais dès qu'il a tué une personne, faites un chesed, dépêchez-vous de lui tirer une balle entre les deux yeux, et on finit l'histoire, parce que si on le laisse, on va attendre de convoquer le Beit Din, il risque de faire d'autres dégâts, donc maintenant, mitzvah de le tuer, selon Rabbi Eliezer. Donc, kol hakodem leorgan, tout celui qui se précipite pour le tuer, zacha, il aura eu le mérite de faire une grande mitzvah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva vient et discute sur Rabbi Eliezer, dit non, mitatan be'esrim shlosha, je ne suis pas d'accord, il faut 23 juges. Question. Alors c'est le premier avis, pourquoi avoir Rabbi Akiva supplémentaire? Parce que Rabbi Akiva en réalité, la Gemara explique, c'est rapporté dans le Vartanora, Rabbi Akiva requiert 23 juges pour les 5 premiers animaux, qui sont Azev, Ariva, Dova, Namer, Bardelas. Donc, ouais, toute la série, je les répète, allez, le loup, le lion, l'ours, la panthère et le léopard. Pour cela, il faudra 23 juges. Malgré tout, on va se débrouiller, il y a une halakha, mais il y en a un sur lequel je suis modéré, Rabbi Eliezer, ce sera le nachash, le serpent. Pour lui, pour tuer le serpent, selon Rabbi Akiva, un nachash qui tue, tout de suite on se dépêche de le tuer. Et on a fini la Mishnah, on fait à présent le Vartanora. Alors on a rapporté le pasouk ici pour la femme qui a eu un écart, un rapport avec l'animal. Donc on a rapporté le pasouk, comme le pasouk nous dit, tu tueras la femme, vet abema et l'animal. Haïno rovea. De là on apprend le taureau qui a lui-même fait l'acte. Ve'it kash la isha. Et il a été juxtaposé à la femme pour te dire le même statut. Ma isha bechav gimel. Autant que la femme, il lui faut 23 juges. Av behema bechav gimel. Idem pour l'animal, il lui faudra 23 juges. Ve'omer, le pasouk nous dit aussi. Donc là on a pris pour l'animal actif. Qui a fait l'acte avec une femme. Ve'omer, ve'tabema taharogu, banirba. Et on apprend aussi un pasouk supplémentaire qui nous dit ensuite vous tuerez l'animal, c'est une répétition pour nous apprendre que cette fois-ci, même si l'animal était passif. Active. La manu rovea, venirba, on a déduit de là le rovea, actif, et le nirba, passif. Kemita tabéalim. C'est quoi ce kemita tabéalim? C'était sur le shor aniskal. Le shor aniskal. Le taureau qui doit être lapidé lorsqu'il a tué, que la Torah nous a dit de le faire kemitat abéalim, comme ce que je t'impose de tuer le propriétaire, klomar, kmosha, yabal nidon bechav gimel. Aussi, c'est-à-dire précision, on ne va pas tuer le propriétaire parce que son animal a tué, mais plutôt si toutefois le propriétaire avait tué à la place de l'animal, alors on l'aurait condamné avec un 3 de imaya chayav mita, s'il avait une condamnation à la mort, donc tu feras la même chose avec l'animal. Ensuite, kol hakodem lehorgan zacha, c'est l'avis de Rabbi Eliezer sur les 6 animaux dangereux. Kshemito et Adam, lorsque ces animaux ont tué l'homme, bien sûr, il n'y a pas de mitzvah d'aller les tuer, selon Rabbi Eliezer, s'ils n'ont pas encore agressé. Ouais, si vous partez au jour, si toutefois vous réussissez à esquiver le chômer et à rentrer avec votre fusil, ne tirez pas malgré tout ni sur le lion ni sur l'ours, c'est uniquement s'ils ont tué, mais dès qu'ils tuent, selon Rabbi Eliezer, mitzvah de le tuer. Kshemito et Adam, lorsqu'ils ont tué l'homme, vencer la viam le beddin, il n'y a aucune nécessité de les apporter au beddin, tu te dépêches de le tuer. Rabbi Akiva Omer, donc Rabbi Akiva nous a dit non, il faut 23. On avait dit alors quoi, c'est la répétition, la Robertanora rapporte, Bagmara mefaresh. Dans la Gemara, on explique, Deika ben Tanakama et Rabbi Akiva, qu'il y a comme différence entre Tanakama et Rabbi Akiva. Nachash, la différence c'est le serpent. Del Tanakama, Nachash mitato mechav gimel. Selon Tanakama, le premier avis de la Mishnah, le serpent, il faudra encore 23 juges pour le condamner. Le Rabbi Akiva, et pour Rabbi Akiva, Aze ve'ariva dorvana merva bardelas mitato mechav gimel. La première série, le loup, le lion, l'ours, la panthère, le léopard,
il faudra à votre juge, aval nachah, chaque odem le rebosa. Par contre, pour le serpent, celui qui se dépêche de le tuer aura lui accompli la mitzvah, chez Silek Amazik Minolam, qu'il a supprimé une cause de danger du monde, alacha qui Rabbi Akiva, alacha est établi comme Rabbi Akiva. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Kol Tov Selah.